On va dire que c'est une jeune adolescente qui est visitée par son arrière-grand-mère la nuit et qui lui raconte l'histoire de sa famille et de ses ancêtres. Et ce récit va bouleverser la vie de l'adolescente et la conduire à prendre la tête d'une révolution pour essayer de changer l'ordre des choses et créer une société plus enracinée dans la réalité créole. Petite, j'ai toujours beaucoup écrit et c'est finalement, on va dire, un ouvrage que j'ai écrit en 2012, mais qui est en fait le produit de tout ce que j'avais aussi déjà écrit avant pour essayer de mieux comprendre nos sociétés créoles et raconter aussi à ma fille qui a 14 ans l'histoire de son peuple, entre guillemets. C'est une expression que j'ai créée parce qu'il existe en Martinique, il existait en Martinique un serpent qui s'appelle le serpent Pourès, qui est un petit serpent qui traversait les rivières avec la tête droite et qui arrivait toujours à se faufiler, quelles que soient les embûches et les obstacles. Donc j'ai créé cette expression pour rendre hommage aux femmes qui, dans nos pays, qui malgré toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, tiennent debout et arrivent à mener leur famille, leurs enfants, jusqu'à l'âge adulte, vers une condition correcte. Et Mazouka perdue, parce que c'est une façon de dire que l'on n'entend plus leur chant et qu'on oublie que ce qu'elles ont fait et que ce qu'elles ont fait n'est pas assez inscrit dans nos mémoires. Donc il faut récupérer ce chant et le transmettre. On se connaissait pas, hein ? Merci beaucoup. Thank you.